Depuis le mois de novembre, j'ai constaté plusieurs colonies de champignons, qui sont apparues au pied des arbres d'ornement, atteints ou abattus, tout au long de ce trottoir. Ces champignons poussent en touffes, plus ou moins denses sur les souches, et les troncs encore vivants de ces arbres que vous voyez ici. D'après mes investigations personnelles, la propagation de ces champignons présente un redoutable parasite, capable de détruire de nombreux arbres dans cette région de la ville. C'est à la fin de l'automne et au début de l'hiver qu'on peut observer ce genre de champignons, dont je n'ai pas pu identifier l'espèce, et ce pour manque de connaissances dans ce domaine de mycologie. Tout ce que je sais, c'est que ce champignon parasite s'attaque aux arbres, abattus ou encore vivants, par les hyphes de son appareil végétatif, produisant d'énormes essaims de fructification, sous forme de filaments blancs, appelés le mycélium, provoquant ainsi le pourridier, c'est-à-dire, la pourriture des racines. Alors qu'est-ce qu'un pourridier ? Pour bien comprendre la maladie du pourridier, il est important de connaître la biologie des champignons. On distingue deux principaux types de champignons. Les champignons à tube et les champignons à lame. Mais, il existe encore d'autres types bien entendu. Ce que nous voyons maintenant est le fruit du champignon, c'est-à-dire sa partie visible. Cette partie hors de la terre est constituée du chapeau et de son pied. C'est le sporophore, appelé autrefois le carpophore. Cependant, chez certains champignons, le sporophore peut être souterrain, comme c'est le cas chez la truffe. Cette partie visible est issue d'une autre partie souterraine du champignon, appelée mycélium, et qui se trouve à l'intérieur du bois de cet arbre que vous voyez, et au niveau de ses racines, sous forme de filaments très étendus, qui permettent aux champignons de se nourrir. Le mycélium peut couvrir des surfaces, plus ou moins importantes sous la terre. Cette distinction entre mycélium et champignon est essentielle, car elle nous permet de mieux comprendre la manière dont ce parasite se reproduit et se propage. À titre indicatif, nous allons nous intéresser dans cette vidéo uniquement aux sporophores, c'est-à-dire la partie émergente des champignons. L'étude du mycélium sera donc exclue de cette présentation vidéographique. Le pourridier, appelé aussi armillaire, est une maladie cryptogamique grave des végétaux ligneux, c'est-à-dire constitués de bois. Il prospère dans les sols lourds et argileux, où il y a, à la fois un manque d'oxygène et un excès d'humidité. Le pourridier provoque une défaillance du système racinaire au niveau des parties aériennes de l'arbre, c'est-à-dire le feuillage, les branches, les fruits, etc., entraînant à terme la mort de la plante, déjà fragile comme celle-ci par exemple. Il existe deux types de maladies du pourridier, l'armillaire des bois durs ou feuillus, Armillaria mellua, et l'armillaire des bois tendres ou résineux, Armillaria ostoae. Malheureusement, aucune plante n'est à l'abri à 100% contre ce ravageur. Cependant, certaines plantes résistent à la maladie par rapport à certains arbustes et arbres. Les plus sujets à ce champignon sont les arbres fruitiers de toutes sortes, les arbustes ornementaux et plantes grimpantes, les arbres d'ornement, chênes, marronniers, bouleaux, peupliers, érables. Les arbres d'ornement que vous voyez ici sont de genre peuplier, assez anciens. Ils aiment les sols riches, frais ou humides. La plupart d'entre eux sont attaqués par cette maladie du pourridier. Il suffit de constater l'état de leurs feuilles, qui jaunissent prématurément. Si on regarde cet arbre par exemple, on observe vite qu'il est infecté et présente des signes de dépérissement. Les feuilles sont plus petites et pâles.
des fissurations de l'écorce et enfin l'apparition déjà de champignons. Cette année, la saison d'été était particulièrement très chaude et sèche, ce qui a aggravé aussi les symptômes de cette maladie du pourridier dans cette région argileuse. Pour les symptômes directs, on peut les observer sous terre à plusieurs centimètres de profondeur, par des cordons noirâtres, qui ressemblent à des racines, appelées rhizomorphes, comme vous voyez dans cette photo. Moi j'ai trouvé quelque chose ici, on va voir. Dans cette vidéo, et à travers ces différents chapitres, je vais vous présenter les caractéristiques de ce genre de champignon afin que nous puissions l'identifier ensemble. Maintenant, nous allons observer de plus près ces champignons étape par étape, selon mes constatations personnelles. Commençons tout d'abord par la forme du champignon. Tout d'abord, ce champignon a une forme amanite. Que nous allons le savoir en bref, à travers cette petite présentation. Le chapeau du champignon. Chez les champignons Basidiomycete et Ascomycete, le chapeau est la partie du sporophore, appelée aussi sporocarpe, c'est-à-dire fruit à spores, qui renferme les organes de fructification. Ce champignon a un chapeau d'un diamètre de 2,5 cm et celui-ci de 5 cm à peu près, et d'autres ont plus de 15 cm. Sa couleur, allant du jaune miel au brun rouge, avec des nuances rousses, plus foncé dans la zone près du centre. La chair du chapeau de ce petit champignon est blanche et ferme tandis que dans celui-là, la chair est blanche mais infectée. On constate qu'il y a des petits vers vivants dans la chair de ce champignon, où il y a sûrement des bactéries que nous ne pouvons pas les observer à l'œil nu, sauf si on dispose bien entendu d'un appareil macroscopique. De fines écailles recouvrent les jeunes chapeaux, surtout vers le centre. Mais lorsque les chapeaux atteignent la maturité, ces écailles disparaissent. C'est un champignon à branchies. Les branchies de ce champignon sont sillonnées, étroites et de couleur chair. À ce stade de maturité, les branchies jaunissent progressivement et développent des taches rouillées à l'extrémité. Le pied du champignon. Lorsque le champignon est jeune,
La tige est blanche, comme vous pouvez le voir ici, changeant de couleur en brun jaunâtre et devenant finement laineuse, à mesure que le corps du fruit mûrit. On voit que la tige mesure plus de 10 mm de diamètre et de 3 cm de hauteur avec une surface lisse et laineuse. La chair de la tige est blanche, charnue et assez ferme. Enfin, la tige est lisse, fibreuse et écailleuse de la même couleur que le chapeau, et possède un anneau placette au sommet, blanc et membraneux. En mycologie, ce stipe, appelé plus communément le pied, est l'organe qui supporte le chapeau chez de nombreux basidiomycètes et quelques ascomycètes. L'ensemble du pied et du chapeau forme le sporophore, littéralement porte-spore, appelé aussi sporocarpe, ou encore carpophore, littéralement porte-fruit. Il est l'appareil reproducteur des champignons dits supérieurs, c'est-à-dire les macromycètes ou macrochampignons dont la fructification est visible à l'œil nu. L'anneau de tige. L'anneau de la tige constitue la membrane qui entoure le pied, et il persiste jusqu'à maturité du champignon. Il est rousse à pâle chez ce champignon, tandis que chez celui-là, l'anneau est blanc. Cette observation va peut-être nous aider à distinguer cette espèce des autres espèces, qui ont un anneau de tige blanc comme nous venons de voir avec des écailles brun foncé ou noir sur sa face inférieure. Une remarque à propos de l'anneau, c'est que, en passant ce matin par ici, j'ai trouvé un autre type de champignon, le voici, dont je n'ai pas observé l'anneau, ou le vestige du voile, sur le pied. C'est à vous de l'éclaircir dans le commentaire, si vous voulez bien contribuer à ce travail. La volve. Dans cette cueillette, je n'observe pas de volve chez ces champignons. La volve est une membrane qui entoure la base du pied. Possible, elle a été déchirée lors de la croissance du champignon. Odeur et goût. J'ai senti qu'il y a une odeur légère pour ces champignons. Quant à leur goût, je n'en ai vraiment aucune idée. En tout cas, je les ai cueillis uniquement pour les étudier et non pas pour les goûter. À mon avis, je considère ces champignons comme non comestibles et potentiellement toxiques, compte tenu de leur état sauvage et destructeur et de l'endroit désastreux dans lequel ils vivent. En plus, il est difficile de savoir comment mon corps va réagir à leur consommation. Ainsi, je recommande la plus grande prudence. Ne récoltez jamais de champignons, si vous n'êtes pas sûr de leur genre et de leurs origines. Enfin, il y a des lamelles, des pores ou aiguillons qui se situent sous le chapeau. Ces organes produisent les spores qui seront ensuite libérées,
pour la reproduction du champignon. Alors, qu'en pensez-vous? J'ai encore des doutes, mais je crois qu'il s'agit d'Armillaria mellua, ou d'Armillaria haustoi, ou encore l'armillaire bulbeuse. Ce sont les principales espèces d'Armillaria. Car franchement, j'ai une confusion à ce sujet, entre ces trois types d'espèces que je viens de vous citer. Tous les débutants dans ce domaine peuvent confondre l'armillaire couleur de miel avec des foliotes ou des ipholomes. En particulier, la foliote écailleuse dont l'anneau n'est pas blanc, ou encore la foliote dont le chapeau est lisse. Tous les chapeaux que je vous ai présentés, étant plats ou presque, de couleur brun ou à mèche brun, et à leurs pieds, portent un anneau membraneux, blanc et fibreux bien visible. Lorsque l'espèce vieillit, les couleurs ternissent, l'anneau se déchire et finit par quasiment disparaître. Certaines espèces d'Armillaria mellua ont des chapeaux très écailleux et de petits anneaux de tiges, tandis que d'autres sont presque dépourvus d'écailles, mais ont de grands anneaux blancs. Normalement, la plupart des armillaires présentent un anneau. En résumé, c'est un champignon dit supérieur, ravageur et destructeur, extrêmement fréquent dans cette région, et bien connu des mycologues. L'action principale contre le pourridier est d'éliminer le champignon à sa source. C'est une action préventive contre l'apparition de nouveaux cas, car il n'existe pas de traitement réellement efficace contre cette maladie. Seul l'arrachage de la plante atteinte, accompagné d'un dessouchage et d'une élimination complète et minutieuse des racines, particulièrement en sol lourd, qui doit être envisagé. Lorsque des touffes d'armillaires, parfois énormes, apparaissent à la base d'arbres, vivants ou morts, comme dans ce cas par exemple, leur propagation par les spores ne peut être empêchée. Les sols lourds doivent toujours être allégés, en mettant en place un système de drainage au fond des fosses, en ajoutant de la matière organique par un paillage permanent. Le paillage consiste à déposer une couche de matériaux biodégradables au pied de l'arbre, améliorant la croissance de la plante. Il maintient l'eau dans le sol et améliore la structure de ce dernier et sa fertilisation. Cette procédure active la vie souterraine des vers de terre, des bactéries et d'autres micro-organismes, tout en évitant le compactage du haut béton, aux piétons et aux véhicules. Pour conclure, le plan de protection des arbres ornementaux, dans les milieux urbains, consiste à mettre en valeur le caractère naturel et verdoyant de la ville. L'arbre est un symbole de vie et de force. Le Maroc est riche en arbres, que ce soit en forêt ou en ville et village. Ces arbres ont une image et une histoire, qui leur confèrent un rayonnement important, notamment en Haut et Moyen Atlas, à Mamora, et dans les villes comme Rabat, Beni Mellal, Fès, Marrakech et Larache, qui disposent des spécimens les plus anciens, et qui sont inscrits dans le patrimoine de ces villes. La ville de Tétouan, elle aussi, regorge de nombreux arbres, qui ont plus de 100 ans, au cœur de la ville, comme celui-ci, par exemple près de Bab El Okla. Et à son célèbre parc, appelé autrefois, le Jardin des Amoureux, que vous voyez maintenant.
Ces arbres ont des effets attractifs importants sur les citoyens et les visiteurs étrangers. Nous sommes tous attachés aux arbres de nos villes, sous leurs diverses formes et agencements. Cette richesse naturelle, qui nous concerne, et dont nous sommes tous responsables, contribue de manière significative au développement durable des villes, car elle assure des services écologiques, thérapeutiques et esthétiques, voire même des fonctions de confort et de sécurité, indispensables au bien-être et au développement de la communauté.